90% des choses que nous faisons viennent de l'inconscient. En fait, une crise, un mal-être, c'est une occasion pour toi de décider qui tu veux devenir. Comment on fait pour être soi, pour savoir qui on est Parce que tant que tu dis que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que c'est lui qui doit changer pour que tu puisses avoir ton pouvoir. Pourquoi est-ce que tu estimes qu'à 40 ans c'est le tournant décisif de la vie d'une femme On est à l'image de Dieu, mais j'ai compris que avant de changer le monde, il faut que je change qui je suis. Avec copilly.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Si tu as une femme, si tu as une sœur, si tu. Bon, bref, tu as forcément une mère. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez mystérieux Le pouvoir caché des femme, qui est en fait est le titre du livre que j'ai dessiné entre les mains, qui a été écrit par une femme. Bon, moi, ce titre m'intrigue. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cette notion de pouvoir cacher des femmes. Parce que je sais que l'auteur qui se cache derrière ce livre qui est paru aux éditions Argent Livre, eh bien, se cache une notion de femme multipotentielle. Donc, si tu as entendu parler de la notion de multipotentielle, eh bien, au cours de ce énième épisode du podcast de l'écrivain, nous irons beaucoup plus dans les détails, pour que tu puisses cerner toute la quintessence de ce qu'on appelle être multipotentiel. Mais avant tout, force est de rappeler que cette émission est tournée dans nos locaux Ultimate Pod. C'est un espace dédié aux producteurs de contenu, aux journalistes qui souhaitent bénéficier d'un décor de qualité pour un signe de respect pour leurs invités afin de tourner leurs émissions. Donc si jamais toi aussi tu est habité par le profond désir d'enregistrer une émission de qualité dans un studio qualitatif, rendez-vous sur ultimatepod.fr. À côté de ça, j'aimerais préciser que cette émission est sponsorisée par copily.io, la première agence d'IA qui te permet de produire un contenu qualitatif grâce à l'intelligence artificielle en un temps record et qui te permettra d'attirer des abonnés qualifiés que tu pourras aisément transformer en clients grâce au type de contenu que tu pourras produire. Maintenant que tout ceci est dit, je vais planter le décor. La dame que nous invitons aujourd'hui, elle est originaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais surtout, elle a une énergie qui est très communicatrice. Bonjour, Kokwe. Bonjour, Valère. Est-ce que je prononce bien C'est Kokwe ou Kokwe Prononce comme tu veux. Ah, je t'avais dit non, ça a <laughs> <Je> Pronce comme <quand rire> tu veux. Parce que si tu prononces. Kokwe, ça veut dire sainte. Mm -hmm. ah, tu Et si on prononce Kokwe, si tu prononces Kokwe, ça veut dire porte-le. Et ah, ça non. déjà, ça annonce ma mission de vie. Aïe, c'est quoi ta <laughs> mission de vie ah, C'est de porter les femmes, de mettre de la lumière sur le talent caché des femmes. De mettre de la lumière sur les femmes, révéler le talent caché des, des femmes. femmes. D'où le titre du livre, Le pouvoir caché des femmes. Bref, avant d'aller <laughs> plus loin, qui es-tu merci déjà valère de m'avoir invité. tout le plaisir est pour nous hein. merci de me donner l'opportunité de présenter ma voix mmh. et d'être porte-parole des sans voix. Aïe. qui suis-je? c'est une question qui peut faire l'objet e d'un livre. Mmh. c'est une question en profondeur et j'aime traiter les sujets en profondeur et pas en superficie et donc je te répondrai que je suis la source je suis la créatrice de ma vie. Je suis le capitaine de mon âme. Mm. Tout part de moi et tout revient à moi. Maintenant, certaines peuvent penser, certaines personnes peuvent penser que c'est égoïste. Mm -hmm, c'est ce que je vous l'avez dit. Mais ça marche pour tout le monde. Tu es la source. Mm. C'est que beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai fait un travail sur moi qui me permet aujourd'hui d'affirmer qui je suis. C'est-à-dire, c'est moi qui décide maintenant de quoi ma vie sera faite. ha <laughs> L'affaire commence bien. <rire> OK. <rire> oui, mais il euh, y a et une. Maintenant. Ouais. Une fois qu'on a planté ce décor, je vais te dire du point de vue de l'état civil. Oui. Je m'appelle Kokwe Koussao. Je suis normande togolaise et je suis entrepreneuse de par mon activité. Parce que mon activité ne me définit pas. Mm. Pourquoi j'ai commencé par le je suis c'est parce que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on te demande, présentez-vous, les gens disent leur nom, le nom que leurs parents leur ont donné et leur activité. Et ben moi, aujourd'hui, je sais que je suis plus que mon identité togolaise mmh. ou normande. Je suis plus que mon corps. Je suis plus que ce que je fais. Tu es plus que ton corps, plus que ce que tu fais. Exactement. Mais du coup. Je qui suis un esprit incarné dans un corps. Mm -hmm. Et je peux prendre la forme que je veux. Aïe, aïe, ça, aïe, aïe, aïe. Donc tu crois à l'incarnation. Bien sûr. D'accord. Donc je suis euh, une femme optimiste, oui. joyeuse, qui aime profiter de la vie et qui aime surtout s'entourer des bonnes personnes et partager. Parce que la joie se gagne et se multiplie quand on la partage. Je suis une bonne vivante. Je peux te définir toute la journée, tous les je suis. C'est pour ça que j'ai préféré dire je suis la source, pour te dire je suis polymorphe, je peux prendre la forme que je veux. Et c'est un une des capacités que j'ai pu développer en prenant conscience du fait que j'étais plus que mon identité d'état civil. D'accord. Et dans le volet professionnel, qu'est-ce que tu fais dans la vie Voilà, c'est que la question que j'aurais ah, dû poser. Voilà, il faut savoir les bons bon. Qu'est-ce que je fais, <laughs> voilà bon. qu que je, fais ben, je suis une entrepreneuse autodidacte mmh. qui il y a cinq ans a décidé de suivre son cœur mmh. pour devenir pleinement qui elle est et de par ce fait j'ai commencé par la mode donc créatrice de mode spécialisée dans les couleurs oui parce que les couleurs j'aime ça fait briller ça mmh. permet de rayonner ensuite je suis formatrice professionnelle certifiée et après depuis un an j'ai décidé de devenir coach parce que ça permet d'entrer en profondeur au lieu de rester sur le paraître. Ça permet d'accompagner les femmes sur l'être. Donc, tu l'as dit au début, je suis multipotentielle. Mm -hmm. Je suis une femme qui ose. Qui ose. En tout cas, la définition de tout ce que tu fais le, le prouve à suffisance. Coach, en quoi En épanouissement personnel et professionnel. D'accord. Et quand on a échangé avant, oui. j'avais cru comprendre que tu étais coach joie de vivre. Bien sûr, c'est le titre que je me donne. que tu te donnes. Parce que c'est la finalité qui me semble pour moi la vibration la plus ultime. Mmh. Parce que pour que tu sois réellement joyeuse et en paix, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu sois à l'aise là où tu fais. Il faut que ton travail te plaise. Il faut que tu sois équilibré dans ta vie. Et pour moi, coach, joie de vivre, je suis unique. Comme toi, comme n'importe qui. Et mon unicité s'exprime par le fait que je me définis comme la seule et unique coach, joie de vivre. Yes! sir <laughs> Seule et unique coach, okay. joie de vivre. Est-il possible d'être 100% heureux? Oui. Ici et maintenant, je peux décider, je suis heureux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Mmh. Ça ne veut pas dire que peut-être que je suis malade, j'ai une maladie euh, qui va, un cancer. Tu peux avoir le cancer et être heureux. Pour moi, c'est un état d'esprit, le bonheur. Mmh. Maintenant, tu peux le cultiver. Le bien-être, ça se cultive. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu ne sais pas qui tu es. Mmh. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est Le voyage initiatique pour oser enfin être soi. Mmh. Une des conditions du bonheur, c'est d'être réellement soi-même, pas un masque social. Ce que je dis. OK. Et justement, quand on dit comment on fait pour se connaître parce que beaucoup de gens disent il faut se connaître, il faut se connaître, il faut se connaître, comment on fait Si tu parles de voir initiative, comment on fait pour être soi pour savoir qui on est D'abord s'écouter et enlever tous les vêtements de paraître. Tu vois par exemple, les gens qui ont des grosses voitures, les gens qui ont des beaux vêtements, tout ça c'est pour habiller quelque chose pour passer un message. Mais qui es-tu derrière ces, Ces vêtements, qui es-tu derrière cette apparence Eh bien, quand tu creuses, et c'est là où, en s'écoutant, la vie va t'apporter des signes si tu veux te connaître réellement. Déjà, il faut le vouloir. Première et étape, le vouloir. Permets-moi, partons de ton histoire. J'aimerais que tu nous racontes ton histoire. D'accord. J'aime bien commencer l'histoire de la découverte de qui je suis il y a 20 ans. À 18 ans, quand j'ai eu mon bac. D'accord. Mais quand... avant, donc, avant, avant de te découvrir, comment oui. tu étais, de ma... en résumé, avant que. Vraiment, avant le déclic et l'après. J'aimerais bien. Avant le déclic, quand j'étais petite, je vais vous parler d'intimité. Quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. Pourquoi Parce que je voyais ma mère souffrir. Ma mère était victime de violence. Et déjà à 6 ans, j'avais décrété qu'il fallait que personne ne me tape. Et donc j'étais devenue un garçon manqué alors que j'étais une fille à la base. Et je me bagarrais. Et je courais partout. Et au collège, quand j'ai commencé, les autres ont commencé à avoir des comportements, euh, vous savez, d'adolescent, de puberté, de, de drague et tout ça. Moi, je suis restée, comment dire, fidèle à l'enfant intérieur que j'étais. Et quand au lycée, je me suis retrouvée avec des nanas. Qui aimait le vêtement, qui aimait le paraître, qui aimait euh, sortir avec des garçons et tout ça. Je suis restée fidèle à ma vocation et on m'a appelée extraterrestre. Tout ça, ça m'a marquée. Ça, c'était une première étape. La deuxième étape, c'est que en Afrique, vous savez, on nous dit le rôle de la femme, c'est d'aller à la cuisine. Tu n'auras pas de mari si tu ne sais pas faire la cuisine, si tu ne sais pas t'occuper de ton homme. On nous a définis comme ça. Et moi, j'étais révoltée parce que j'ai vu ce que ça a donné ma mère qui était au foyer qui était victime de violence. Donc, ça, déjà, ça faisait bouillir en moi une blessure d'injustice. Et je ne me sentais pas chez moi. Je ne me sentais pas accomplie. Je voyais les autres faire des choses qui ne m'inspiraient pas. Moi, j'aimais lire. Mmh. Depuis que je suis toute petite, quand j'ai découvert les livres. Ça m'a permis de voyager. J'ai vu qu'il y avait autre chose que Lomé. Lomé, la belle qui fait rêver les femmes qui ont envie de, de juste devenir la petite amie d'un grotto. Oui. Moi, ça ne me faisait pas rêver. Et donc, ça, déjà, moi, ça réveillait en moi une identité au-delà de ce que l'environnement me montrait. Est-ce que tu vois un peu comment ça a commencé chez oui. moi C'est à travers la lecture. C'est à travers le fait que je découvre qu'il y avait autre chose que ce qu'on me sérinait autour de moi. Deuxième chose à travers la blessure, oui. à, à travers les douleurs, à travers le fait de que la situation de la femme était, la femme était considérée comme moins que l'homme ou l'objet de l'homme, et ça, pour moi, c'était impossible à supporter. Mmh. Et donc, quand j'ai eu le bac. Je me suis dit, je renie l'Afrique parce que je pensais que c'était l'Afrique qui était le problème. Mmh. Je pensais que les hommes étaient tous des machos. Je pensais que en allant en Europe, en allant ailleurs, je pouvais me créer moi-même. Tu vois Donc, c'est en voulant éviter des douleurs, en voulant me construire par moi-même que tout a commencé. Donc, quelque part, c'est ce que j'ai mis dans le livre. Se connaître commence par une douleur. Tant que tu ne souffres pas assez là, oui. tu vas rester dans ta situation. Mmh. Si tu souffres et que tu n'en peux plus, tu es insatisfait, tu es frustré, et ben ça va réveiller en toi un désir d'être quelque chose que tu n'es pas encore. Et c'est ce désir qui t'emmène à la découverte de ton véritable soi. Est-ce que j'ai répondu Oui. Est-ce que je dois conclure que c'est ce qui justifie le fait que tu dises que... Le mal-être constitue un appel à la transformation. Complètement. Complètement. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Il ah, n'y a pas d'argent, je suis femme battue ou X ou Y. Il y a plein de choses de personnes qui se... Mais ils n'entendent pas l'appel qui a derrière la souffrance. Dans le langage de, des oiseaux, le mal a dit, le mal a dit. C'est juste des symptômes pour nous appeler à devenir quelque chose qui est à l'intérieur et qu'on n'est pas encore. La transformation. Waouh! Donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas voir euh, un mal-être comme une fatalité, mais comme une opportunité de devenir une meilleure personne, c'est ça? Complètement. Tu as tout compris. Parce que crise, le mot crise, quand on prend les origines, c'est décider. Mais en Chine, par exemple. Ça peut vouloir dire wegi. Ça peut dire danger et opportunité. En fait, une crise, un mal être, c'est une occasion pour toi de décider qui tu veux devenir, de décider quel chemin tu vas prendre. Si tu vas transformer ce qui t'arrive en opportunité ou en problème. Mmh. D'accord. Donc, c'est une question de perception et de décision. Et décision. Et quand tu dis que tu as régné l'Afrique, oui. À quel moment tu t'es dit peut-être que c'est pas la solution? C'est quand j'ai fait ma crise de la quarantaine. Ah, ça <laughs> se arrive. Arrive. bien, puisque tu la crise de la quarantaine. C'est quand j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et ça se manifeste Donc, comment ouais, La crise de moi. la quarantaine, ça se manifeste par le fait que tu peux avoir l'impression d'avoir tout pour être heureuse. Oui. Moi, ça, ça, ma crise a commencé à 32 ans. Mmh. J'avais deux enfants, mmh. une belle maison, un bon travail. Mmh. J'avais trois masters. J'ai fait suffisamment d'études. J'ai travaillé dans l'associatif parce que j'avais des grandes valeurs, je voulais sauver le monde. Mmh. J'ai fait sciences politique toujours dans cette optique-là. Mais à chaque fois, j'étais déçue. Après, j'ai travaillé en banque. Et là, je me suis dit, mais punaise, si je ne trouve pas ma place ailleurs, si je suis malheureuse, si j'ai l'impression que je suis différente et que je me sentais mal à l'aise. j'étais pas, J'avais pas confiance en moi, malgré tout ce que j'avais déjà fait. Parce que encore une fois, le mal-être murmurait à mes oreilles, mais je ne l'entendais pas. Et donc, la crise, c'est quand un moment, ça devient trop insupportable et que tu te dis non, il faut que ça s'arrête. Oui. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné de mon poste en banque. Waouh. Et j'ai décidé de créer mon entreprise. À 40 ans Non. À quel âge À 32 ans. À 32 ans. À 32 À 32 ans, ans. Waouh. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. À 32 ans, oui. tu as démissionné. Oui. Du jour au lendemain Oui. Waouh. Mais en fait, c'est du jour au lendemain mais j'avais déjà derrière moi 15 ans de développement personnel. J'avais lu tellement de livres d'auteurs mmh. et d'entrepreneurs et comme je t'ai dit, j'ai travaillé dans la fonction publique, oui. j'ai fait l'associatif, je voulais changer le monde, j'ai monté des projets en Afrique. Mais à 32 ans, j'avais l'impression que j'avais tout pour être heureuse, mais que l'essentiel, la quintessence dont tu me parlais, me manquait. Et c'était quoi cette quintessence Ça s'appelle, il faut mettre un nom dessus. Hmm, cette quintessence-là c'est quelque chose qui a l'intérieur c'est le soi le vrai moi pas le faux moi oui. mais pour le trouver c'est un voyage initiatique ça peut nous prendre toute une vie ah et, et, et à quoi ça sert au final de découvrir le vrai soi tu vois si tu demandes à un singe oui. de grimper à un arbre il sera excellent oui si tu le mets dans l'eau et que tu le compares à un poisson il va se il va décréter qu'il est nul c'est ça ça sert à ça si tu mets le management, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. C'est ça. Se connaître, c'est reconnaître ses talents, mm -hmm. ce pourquoi on est venu dans ce monde, oui. ce pourquoi Dieu nous a créés. Et là, tu deviens excellent. Si toi, par exemple, bon, toi, tu es un multipotentiel aussi. Si on te met euh, quelque part où tu as envie d'apprendre, tu vas apprendre et le développer. Mais si tout de suite, on te met, je sais pas, dans un domaine complètement inconnu, mm -hmm. où tu n'as pas de compétences, qui n'est pas de de... de quelque chose qui te passionne, tu auras l'impression d'être nul. Mmh, Rien que ça, ça permet de connaître ça, de, de, de savoir qui on est, et ensuite de développer un potentiel et d'être unique, de tenir sa place, d'être heureux, encore une fois. Mmh. Tu vois, les Oprah Winfrey, les grandes personnes qu'on qu admire, il a fallu qu'à un moment, ils développent ce potentiel au lieu de rester en mode euh, sous le radar. Hum, ok. Et donc pourquoi est-ce que tu estimes qu'à 40 ans, c'est le tournant décisif de la vie d'une femme Alors, ce n'est pas exactement 40 ans. Oui. C'est le milieu de vie. La quarantaine, oui. Voilà, voilà c'est le milieu de vie. Parce que on n'est plus dans les turbulences de l'adolescence, de quand on a fini les études et qu'on cherche du boulot. Au début, on cherche du boulot. Quand on est étudiant étranger, par exemple, on cherche une situation. On veut avoir des enfants, un mari. Mais quand tu as tout ça, le matériel, et tu te rends compte que tu n'es toujours pas heureux, c'est là que hein, la quête de sens et la quête de soi commence. Alors, tu penses que c'est ça qui expliquerait le fait qu'il y ait la crise de la quarantaine Oui. Une personne qui s'est reconnue et qui sait qui elle est avant, dès la vingtaine d'années, et qui a suivi ce processus, en général, sa crise de la quarantaine va passer comme une lettre à la poste. Mmh. Pas visible. Toi, par exemple, ça m'étonnerait que tu aies une crise de la quarantaine parce que tu te remets... Constamment en question. question. Oh oui, okay, et tu travailles, et quand tu as une envie, tu ne te dis pas, oh, je ne peux pas le faire. Non, tu y vas, tu écoutes, mmh. tu t'écoutes. Mmh. Tu vois la différence ou pas Oui. Donc, il y a plein de personnes qui ont eu, euh, comment dire, on leur a dit, tu n'es pas assez bonne. Si par exemple, j'avais suivi les conseils de ma mère, oui. et que je n'ai pas fait d'études, et que je suis devenue une bonne femme au foyer, ma crise aurait été horrible. Parce que je suis une leaduse dans l'âme. Moi, j'aime l'idée. Et prendre le devant des initiatives et mettre en œuvre des projets. Et je suis bonne à ça. J'ai un, une créativité débordante. Si on me demande de rester à la maison de m'occuper des enfants, mon mari va pas, on va pas survivre. Ah ouais, ah ouais. D'où l'importance de prendre le temps de se connaître. Mais comment tu dis, il faut s'écouter. Oui. Sauf que je me rends compte que beaucoup de gens ont parfois peur de s'écouter. C'est vrai. Et donc tu, tu leur dis quoi? Je leur dis ⁇ Osez ⁇ mais je vous leur dis aussi ⁇ Faites-vous accompagner mmh. ⁇ Parce que 90% des choses que nous faisons viennent de l'inconscient. Mmh. 90% de nos décisions, nous pensons les maîtriser. Mais ça peut être lié à la pub, le marketing, ça Tout peut être fait. lié au conditionnement, à, fait, oui. à notre éducation. C'est des choses qui ne sont pas nous, en fait. On pense qu'on décide, mais quand on achète la grosse voiture parce que le voisin il a acheté une grosse voiture et qu'on a envie de compétir avec lui, vous pensez réellement que c'est soi c'est pas le vrai soi. Tu vois Donc, le conseil, c'est le désir qui émerge en toi, le mal-être, ce qui fait que tu ne te se sens pas heureux. Écoute et dis-toi, qu'est-ce que c'est Peut-être que quand tu étais petite, tu t'es réprimée, tu t'es empêchée de développer une part de toi. Et donc, cette part devient ta part d'ombre. Oui. Carl Gustav Jung en a beaucoup parlé. Donc, si tu ne sais pas le faire, tu demandes de l'aide, fais-toi accompagner. C'est à ça que servent les coachs. Oui, oui, tu discutes et tu te fais bien entourer. Il faut être bien entouré parce que si tu traînes avec des gens qui sont dans la médiocrité, ton niveau de médiocrité va rester à ce stade-là. Mais le jour où tu commences à te questionner, à devenir curieux et à aller voir des gens qui ont réussi quelque part, qui t'inspirent au lieu d'être juste jaloux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment jalouser et tirer vers le bas au lieu de chercher à s'élever. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois Donc fais-toi accompagner. Si tu connais quelqu'un que tu admires, tu vas le voir, tu lui dis non. Ton métier m'intéresse, comment tu as fait Et comme ça de fil en aiguille, tu vas y arriver. Mais déjà comprendre et conscientiser ce qui se cache derrière ta blessure et ton le fait que tu sois malheureux. Mmh. Donc ça demande beaucoup d'introspection. Et l'introspection seule, encore une fois, c'est difficile. Oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Et donc, c'est quoi le pouvoir caché des femmes Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, Ferroviaire et terrestre, quel que soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubaï à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtoms. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. cacher des femmes c'est l'énergie yin c'est <laughs> quoi vas-y l'énergie en fait c'est plus complet je vais je vais reprendre le mot pouvoir si tu prends le mot pouvoir l'expression pouvoir d'achat c'est quoi c'est juste la capacité okay. à acheter c'est ça c'est juste je peux oui. le pouvoir au tout début c'est juste se croire capable de faire d'être et d'avoir ce qu'on veut oui dans le bon ordre c'est il faut être pour faire, pour avoir. Si je te dis, Valère, que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux dans ce monde, mmh. comment tu vas réagir Oui, je vais dire oui. Voilà, Moi, crois. le pouvoir, mmh. c'est ça. C'est de se dire que je peux le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu as les outils. Et dans ce pouvoir-là, le contraire, c'est l'impuissance acquise. Oui. L'impuissance acquise. L'exemple de l'éléphant. L'éléphant, quand il est tout petit, c'est euh, la plupart du temps cet exemple qu'on donne, on l'attache avec une corde. Il est petit, il ne pèse pas lourd, il ne peut pas se détacher de la mmh, corde. Mmh. Quand il grandit, le, le propriétaire continue de l'attacher. Il n'a même plus besoin d'attacher la corde. Ou même il suffit qu'il fasse le geste et qu'il n'utilise pas la corde. L'éléphant a intégré dans sa tête que il ne peut pas se détacher de la corde. Sauf qu'entre-temps, il, est, il, est, il a grandi là, il, il pèse maintenant 2 tonnes. Il peut le faire, mais parce que dans sa tête, il croit que. Voilà, on touche le nœud du problème, les systèmes de croyances, les croyances limitantes, les peurs tu vois donc le pouvoir c'est reprendre la responsabilité de sa vie et se dire que et si je le faisais qu'est ce qui a risque d'arriver et si je m'autorisais à rêver grand et si je m'autorisais à suivre mon rêve plutôt que ce que mon père ma mère le voisin me disent de faire ce que la société me dit de faire et si je m'écoutais moi même et à l'autre extrémité du pouvoir, on peut arriver jusqu'aux ambitions. Mmh. Le pouvoir de changer le monde. Mmh. Moi, j'ai toujours rêvé de changer le monde. Ah oui. En plus, tu une grande rêveuse. Ah, je suis une très grande rêveuse. Mais j'ai compris que, avant de changer le monde, il faut que je change qui je suis. Nous sommes d'accord. Le premier mandat à changer, c'est qui je suis. Et là, le pouvoir de te changer, ça se trouve au plus profond de toi, dans ta vulnérabilité. Il faut d'abord que tu enlèves la carapace le faux moi, l'ego. L'estime de soi vient du fait que tu es cohérent entre ta tête, ton cœur, tes tripes, qui tu es réellement, et non pas le masque social. Donc le pouvoir, c'est de se lever et de se dire, je peux le faire, je vais le faire, je vais me do donner les moyens de le faire, et vraiment y aller. Donc passer à l'action. Voilà. Et ce pouvoir-là, les femmes, en ont plus qu'elle ne le pense, mmh. Parce que la société phallocratique, qui est patriarcale, nous a tellement mis dans l'idée que nous ne sommes pas capables, que nous avons tellement intériorisé que, prenons un exemple, sur le plan professionnel, tu prends une femme et un homme que tu mets devant une, un appel d'offres. L'homme... Il suffit qu'il ait 10% de potentialité, de capacité à pouvoir développer. Il va avoir la bouche, il va se dire Je vais le faire, je peux le faire. Il va ah, se mettre en avant. La femme, dans son humilité, si elle a 90% de compétences et qu'il lui manque 10%, 10%, elle va se focaliser va sur se les dire, 10%. Voilà. Elle, pas. elle va se dire ah, Il me manque si, 10%. Voilà. Tu vois Oui. C'est ça qui a fait que, au bout d'un moment, il faut rétablir l'équilibre. Et tu penses que c'est lié à quoi À la société ou ce pas, quelque part, ce n'est pas lié à la femme aussi Parce que, je vais jouer l'avocat du diable, très souvent, les femmes ont tendance à se jouer les victimes. Est-ce que c'est de la faute de la société si les femmes sont comme ça Moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est d'accepter toute la responsabilité. Mmh. Parce que ton pouvoir se trouve, quand tu acceptes, se trouve dans ta responsabilité. Parce que tant que tu dis que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que c'est lui qui doit changer pour que tu puisses avoir ton pouvoir. On est d'accord. Donc, première chose, accepter toutes les responsabilités. Mmh. Tu as eu une enfance malheureuse, ok, c'est ton enfance. Maintenant, tu as grandi, qu'est-ce que tu fais Tu as eu la société, ok, il y a la crise. Dans la crise, il y a plein de gens qui sont devenus des millionnaires. est ouais, d'accord, ouais, d'accord. Euh, tu prends deux enfants qui vivent un accident. Il y a un qui va se lever en rigolant, en se disant, oh, c'était trop drôle. Et puis y a un autre qui va dire, c'est fini, ma vie est morte. Tu vois, les, des gens qui font, qui font des concours, les, para les paralympiques, on va voir, des gens qui ont perdu un pied, oui. des manches, et qui, quand même, y vont. Ce n'est pas la faute de la société. C'est vrai que, à un moment, quand tu fais le travail, ce voyage-là, mm -hmm. ça te pousse à aller retravailler tout ce que tu pensais savoir, tout ce que tu pensais comme acquis. Ça te pousse à aller travailler les croyances limitantes, ce que la société a. T'as mis dans la tête que tu pouvais, que tu ne pouvais pas faire. Et là, tu redonnes à Paul ce qui appartient à Paul. Et tu te dis, je veux devenir astronaute, je veux devenir pianiste, je veux devenir médecin, je veux devenir euh, femme d'affaires. Mm -hmm. Ok. À partir de, du moment où tu te dis, ok, je le décide, je vais me donner les moyens de, tu vas y arriver, à condition que tu ne dises plus, c'est la faute de la mon faute père, c'est la faute de <laughs> De Macron ou de je ne sais pas. <laughs> Fatalement, c'est souvent ce que j'entends. C'est quoi l'âme L'âme Oui. Hum. Je ne saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais c'est la partie de nous oui. qui est conforme à Dieu. Ah oui. Il y a une Quand part de je... Dieu en nous. On est Dieu. Mmh. Là, ça y est, c'est dit. D'habitude, <laughs> les gens se disent hey, blasphème, non. On est Dieu, on est à l'image de Dieu. C'est la part de nous. Si tu prends l'océan, prenons un exemple, l'océan, si tu prends une goutte de l'océan, ça a toutes les caractéristiques de l'océan. C'est oui. juste une petite partie de l'océan. Et oui. bien l'âme, pour moi, c'est ça. Si on doit parler en thème d'image, c'est cette part de nous qui est connectée au divin, qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui n'a pas de temporalité ni d'espace, parce que ça dépasse euh, notre corps. Et c'est l'âme qui s'incarne. Et quand on meurt, le corps se transforme en poussière, mais l'âme continue, se réincarne. Et euh, quand il va se ré elle va se réincarner, tu as la somme de tes vies antérieures avec ton âme. OK. Bah. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la réincarnation que, bon, mais ce n'est <laughs> pas le sujet aujourd'hui, donc je vais mettre ça entre parenthèses. Et justement, tu abordes le, la, la thématique des cinq blessures de l'âme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les scènes blessures de l'âme, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, oui. C'est euh, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Tu sais que selon la, le corps que tu as, oui. on peut savoir la blessure que tu as. Les beaux gosses, mmh. par exemple, oui. la plupart du temps, ont des blessures de trahison. Ah. faut que là, je vous montre Allons-y. <laughs> Allons-y. Non, on aime ça. <laughs> Alors, est-ce que j'ai repris euh, les dessins Non, j'ai pas repris les dessins de Lise Bourbeau. Mais on a leurs blessures. On a la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation. En général, les femmes qui sont rondes, elles ont des blessures, les hommes aussi, elles ont des blessures d'humiliation. Euh, on a encore quoi Les cinq blessures. Alors, <laughs> je rigole parce qu'il paraît que la blessure que tu oublies, c'est celle que tu as besoin de travailler. Ah <laughs> je me tire moi-même une balle dans le pied. C'est de ça qu'il s'agit. <laughs> Alors, les blessures de, de l'âme. En fait, on. Peut-être dans le sommaire, je pense. Non, non, mais je l'ai parce que je suis en train de voir les blessures héritées de l'esclavage et de la colonisation, les blessures liées à la guerre. Bon, faisons. Les an... blessures de l'âme. En Alors, attendant, oui, puisqu'on parle vois. des blessures de l'âme oui. que tu trouves. À un moment donné, tu parles des blessures typiques mm -hmm. des femmes françaises. Oui. c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui sont propres aux femmes françaises, des blessures propres aux femmes africaines. Alors, déjà quand tu prends l'histoire, il mmh. y a des blessures transgénérationnelles. Le fait de la colonisation, de l'esclavage, on porte en nous des germes qui se sont cristallisés, de l'énergie cristallisée, du fait de ce que nos ancêtres ont subi. Mmh. Donc rien que ça, ça crée une distinction entre mmh. les, les, euh, les femmes africaines et les femmes, euh, on va dire, occidentales d'origine. Oh oui. Mais il y a la conscience collective qui nous ferme, le, qui fait porter au à l'humanité entière certains fardeaux partagés. Il y a le karma. Le karma, c'est ce que dans une vie antérieure tu as fait et qui te poursuit aujourd'hui. On dit quand tu tapes le bâton dans le mur, ça te revient. Ce que tu fais, tu sèmes le vent, tu récoltes la, la tempête. Alors les femmes, par exemple, si tu prends la Normande, j'en ai parlé dans le livre. Euh, Peut-être qu'au moment de la guerre 39-45 dont on a célébré le 80e anniversaire, ta grand-mère a été abusée. Mmh. Ça, c'est resté un secret de famille. Ça n'a pas été dit. Et bien bah, toi, tu peux ressentir les symptômes et développer des blessures liées à ce viol et ce non dit. Oh. Et donc, il y a des personnes qui ont de l'eczéma, qui ont des problèmes de santé. Et en fait... On creuse et dès qu'on met le doigt sur ce qui s'est passé et qu'on fait un acte de pardon et d'acceptation, la blessure disparaît. On nous a parlé, une étude a démontré qu'il y avait des, des, des nonnes, des, des bonnes femmes qui étaient dans un couvent et qui ont été réprimées dans leur, dans leur droit à s'exprimer. Mmh. Bizarrement, le jour où la dame, la, la, la mère principale est décédée, elles ont toutes développé les cancers de la gorge. Parce qu'on a en nous des, des centrales, des centres énergétiques qu'on appelle le chakra. Oui. Et l'énergie sexuelle mmh. également est un, et est un centre énergétique. Donc le chakra, c'est lié à la communication. Quand on t'empêche de t'exprimer, il y a de fortes chances que tu, puisses, que tu développes des problèmes liés à la gorge, par exemple. Tu vois Oui, oui. Ouais. Et donc, les blessures des, 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 des typiques des femmes françaises, ça serait quoi Alors, j'avoue que je ne me suis pas trop, trop, trop positionnée dessus, puisque j'ai parlé plus lié euh, pour les Normandes des blessures de guerre. Mmh. Tu vois, c'est en fait, la femme, elle porte le fait que pendant des millénaires ou pendant des centaines d'années, elle a été réprimée par la société patriarcale. Et aujourd'hui, si tu remarques bien, de plus en plus de femmes prennent le pas sur les hommes dans la société en général, mais encore plus en Europe. Parce qu'il y a une sorte de rééquilibrage énergétique qui se fait. Mmh. Par exemple, euh, les, au niveau de l'adolescence, on a aussi des crises. Euh, les, les enfants ici en Europe qui sont malheureux, ils ont des comportements autodestructeurs. Oui. Que par exemple on n'a pas en Afrique. La dernière fois je rigolais avec pendant un live où on disait que euh, en Afrique on a tellement des problèmes que <laughs> même s'il y a un peu de suicide par ci par là, les scarifications, les mutilations de l'adolescence là, on a beaucoup moins qu'ici. Les dépressions, il y en a beaucoup moins qu'ici. Tu vois ça, c'est des problèmes plus de, de, de la génération d'ici des gens qui mangent trop fois par jour. <laughs> si tu veux. C'est le problème qu'on a quand on a à manger. Exactement. C'est quand on a faim. Ah les oui. problèmes sont. C'est pas pareil. Totalement différent. <laughs> Et là, on touche aux besoins des maslots. Mm. Et ça également, on en a parlé. En Afrique, on est encore dans la survie, besoin de manger, d'avoir la sécurité, euh, de trouver un travail, de survivre. C'est plutôt des journées à 24 heures. Si tu demandes, maintenant ça, ça se développe, ouais, oui, bien oui. sûr ça change. Mais ici on a la sécurité sociale. Si jamais tu n'as pas le boulot, tu peux aller demander euh, des aides et tout. Donc euh, les problèmes sont ailleurs. C'est plutôt le stress, le, la psychologie. Ce pas les mêmes réalités. Oui, c'est vrai. vrai. Les réalités sont toutes autres. Et donc euh, tout à l'heure tu as parlé de la blessure, de l'humiliation. Oui. Comment est-ce est... est... est qu'on en guérit? Premièrement, il faut le reconnaître. Il faut bon. savoir que c'est cette blessure-là. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a cette blessure Je vais te, je vais te lire un peu comment on sait. Avec plaisir. La personne souffrant d'une blessure d'humiliation a plutôt une morphologie ronde, un visage rond et ouvert avec un masque de masochiste. Elle a honte d'elle-même, y compris au niveau sexuel. Or, elle est sensuelle, mais elle ressent de la culpabilité. Elle endosse beaucoup pour ne pas être libre car la liberté est sa plus grande peur. Pour elle, cela signifie l'absence de limiter, donc la peur de déborder. La... Mais elle se sent rarement reconnue pour ce qu'elle fait. Elle compense et elle se récompense par la nourriture. Tu vois, par exemple, l'humiliation, ça peut venir des parents, oui. ça peut venir de... du fait que euh, on ne nous a pas reconnus quand on était petit, et du coup... Euh, en étant hyper généreuse, elle essaie de compenser, de, de, de compenser le fait de ne pas être appréciée. Et, et, et du coup, elle, elle a du mal à dire non et elle prend sur elle. Tu vois? Mais derrière le masque du masochiste qu'elle emprunte pour essayer de survivre en société, se cache une personne audacieuse, en, aventurière, qui a de grandes qualités. Souvent elle est altruiste, médiatrice et organisatrice, par exemple. Alors que pour la blessure d'abandon, oui. la personne qui en souffre est souvent mince et grande. Je vous inviterai à aller faire vos propres recherches et à regarder le dessin typique des morphologies. Selon les blessures que nous avons, vous allez rigoler. Et si vous êtes un peu honnête envers vous-même, vous allez pouvoir vous retrouver dans les certaines blessures, sachant que on a tous, grosso modo, quatre des cinq blessures. Mais selon les époques, les moments, il y a certaines blessures qui sont activées. Ok, c'est une notion que j'ai découverte il y a deux ans au travers du livre d'un auteur. Euh, comment faites tomber vos masques? Ah, euh, elle parlait aussi de masques. ça. Moi au début je me disais oh, mais c'est quoi cette notion farfelue là. Bon maintenant je commence à creuser un peu plus pour essayer de comprendre que peut-être que c'est vrai. Donc j'essaie de creuser un peu plus pour pour comprendre ce, ce, ce. Et, et donc aujourd'hui est-ce que tu penses que ces blessures là peuvent être un frein chez une femme qui veut entreprendre? Complètement, complètement. Quand on a peur, quand on a peur d'être soi-même déjà, on va se cacher et on va réprimer son potentiel. Mmh. Quand on réprime son potentiel, on n'est que la pâle copie de quelqu'un d'autre. Forcément, forcément. Tu vois déjà, oui. ça un exemple. Mmh. Après, au niveau des peurs, même la peur de réussir, c'est un truc mmh. de fou. On a peur de l'échec, mais on a peur aussi de réussite, de réussir. Et on a beaucoup. Des, des personnes aujourd'hui que j'ai interviewées ou que j'ai eues en coaching qui en fait bizarrement ont les deux peurs. C'est-à-dire qu'on aime le statu quo parce qu'on est dans une zone de confort. Et c'est là où je parlais de quand on ne souffre pas suffisamment, on ne sort pas les doigts du nez pour faire ce qu'il faut. Donc la peur de réussir parce que ça va changer le regard des autres. Les amis vont nous négliger, euh, on va peut-être beaucoup trop travailler. On n'aura plus le temps pour euh, se faire plaisir. Il y a tout un tas de choses qu'on s'imagine mmh. et qui fait que on n'ose pas franchir le pas. Et toutes ces peurs là, je les ai listées dans le livre. Il y en a beaucoup. On en a énormément. Ah, par exemple, la peur de ne pas être accepté. Oui. La peur de ne pas aimer, de ne pas être aimé quand on ose s'afficher. Tu parlais de multipotentialité tout à l'heure. Pendant deux ans, il y a, il y a deux ans. Quand j'ai su que j'étais multipotentiel, en fonction de mes prises de tête, du fait que j'avais le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, du mal à choisir, des cycles de passion et d'ennui, quand je l'ai découvert, j'ai eu du mal à l'assumer parce que quelque part, si j'assume que je suis multipotentiel, je me dis, les gens pensent que être multipotentiel, c'est avoir la grosse tête. Déjà le regard des autres. Quand on a peur du regard des autres, on préfère se réprimer et être discret. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, très très vrai. Non. Aujourd'hui, je pense que toutes ces peurs, il faut les regarder en face mm -hmm. et accepter de tomber le masque. Ça fait mal. Mais c'est derrière ta vulnérabilité que ton estime de toi va grandir. Parce que à chaque fois que tu te réprimes, tu te dis non, tu ne te choisis pas. Tu préfères laisser l'importance que l'autre a dépasser ton image de toi-même. Mmh. ouais, c'est puissant, hein, c'est puissant. Et hum, il a fallu quoi pour que tu en arrives à de telles conclusions Que tu lises beaucoup, que tu te formes. Qu'est-ce qu'il a fallu Il a fallu que je me rende compte que je suis l'ombre de moi-même, que je pourrais faire dix fois plus que ce que je fais aujourd'hui. Il a fallu, mon beau-père. Ah Ah, mon Dieu, j'ai dit ça, non, ça y est. Eh, hey, tu vas seulement continuer. Ouais, <laughs> Bref. Il a fallu des choses dans ma vie. Un jour, il y a quelqu'un qui a 32 ans. La fameuse crise, là. Un 1er janvier. Je m'en rappellerai toute ma vie. 1er janvier 2019. La personne m'a dit, tout ce que tu as réussi dans ta vie, c'est tes enfants. Waouh! Ça m'a fait mal. Quand j'ai reçu ça cette nuit-là, je n'ai pas pu manger. J'étais... Humiliée, je me sentais ra ramenée plus bas que terre. Les, même mon mari était triste pour moi. Et c'est là où je me suis dit waouh, est-ce qu'il a tort Ok, ça veut dire que je suis une bonne mère. Mais est-ce que l'image que je veux donner, est-ce que qui je suis, c'est juste une poule pondeuse et là, ça m'a retouchée dans ma blessure d'injustice. Je me suis assise, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, « "Quoi on te gifle selon la joue que tu tends. Si tu ne veux pas qu'on pense que tu n'es qu'une femme pendeuse, une mère, ok, aussi bonne soit-elle, bah, écoute, développe ce que tu as en toi, montre mmh. ce que tu vaux. » Et c'est là où, au plus profond, la rage m'a fait remonter tout ce que j'ai pu faire. Tous mes rêves d'enfant et les capacités que je n'employais pas. Et donc, c'est là où j'ai démissionné. J'ai dit, OK, je vais montrer de quoi je suis capable. Tu vois, cette rage, au début, ça nous pousse, ça nous donne un élan pour sortir de notre zone de confort et pour affronter la zone de peur. Parce que quand on décide de changer, on passe par une zone de peur. Avant la zone d'apprentissage, avant que la zone ne grandisse jusqu'au bonheur. Wow. Tu vois Mmh. Donc parfois se prendre des gifles, oui. parfois tomber, avoir des échecs, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, parce que là ça va nous pousser à aller chercher au plus profond de nous qui nous sommes mmh. et ce que nous valons. Mmh. Amen. Amen. Vous avez prévenu que quoi c'est ça là qui est la même. Ok. Et donc euh, au-delà de tout ça, tu, tu, tu te présentes comme une coach. Oui. Tu coaches quel type de femmes est c'est -ce beaucoup plus les européennes que les africaines Je coach les femmes qui ont envie de réveiller leur puissance intérieure. Les femmes à qui mon message parle. Les femmes qui en ont marre de vivoter, d'être mmh. insatisfaites. Oui. Les femmes qui se sentent différentes et qui ne rentrent pas dans les cases. Mmh. Voilà. C'est ce type de femme qu'elle qu soit aussi bien africaine qu'européenne. Exactement. Tu gères. Exactement. Parce que je suis africaine moi-même. Donc, oui. je connais la réalité de l'Afrique. tu as cessé de régner l'Afrique. <laughs> non, mais ça, c'était le passé. <laughs> tu vois, non, on grandit. Et eh, ça, peux... aujourd'hui, je n'ai pas honte de l'avouer. Mm. Et je le dis parce que j'ai fait le travail sur moi-même pour faire la part des choses. Je ne jette plus le bébé avec l'eau du bain. Okay. Aujourd'hui, je ne dis plus que c'est la faute des hommes. Parce que pour que quelqu'un se te gifle là, il regarde ton visage. Aujourd'hui, l'homme qui est venu me gifler, <laughs> c'est parce qu'il a fallu qu'à un moment je me lève. À un moment, on m'a donné des coups de pied. J'ai pris. Parce que j'étais à un niveau où on pouvait me donner un coup de pied. Oui. Et donc aujourd'hui, ce que je veux dire aux femmes, c'est que si vous n'êtes pas contente de votre vie actuelle, changez-la. Oui. Changez-la. Il y a une vie meilleure qui vous appelle. Écoutez. Écoutez cet appel. Écoutez cet appel parce qu'au final, on aura beau se plaindre. Se plaindre ne résout pas le problème. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais Il faut qu'elle ait Assez pleurer. Assez pleurer. Qu'est-ce que je fais Parce que tu peux rêver toute la vie du monde, hein, mais si tu restes endormi, le rêve ne deviendra pas réalité. Ça, c'est clair. Il faut passer à l'action. Est-ce que tu aurais une anecdote d'une cotier que tu as accompagnée alors, je peux parler de celle qui a préfacé mmh, Allons-y. Celle qui a préfacé l'ouvrage. Je ne veux pas raconter toute sa vie, mais c'était une femme qui se sentait, qui était en burn-out dans son travail. C'est une multipotentielle qui s'ignorait, mais pendant très longtemps, elle a été donc victime d'humiliation et de plein de blessures. Et en fait, elle, elle est française. Mais d'origine asiatique. Et dans son boulot, et plus rien n'allait. Mais elle n'osait pas se révolter. Elle n'osait pas le dire. Et en même temps, elle savait, euh, elle avait de réelles compétences qui n'étaient pas reconnues. Donc elle voulait, elle voulait euh, changer de vie, mais n'y arrivait pas. Et ça faisait trois quatre ans qu'elle me suivait. Elle me voyait créer euh, des vêtements, elle me voyait former des gens, elle me voyait sur les réseaux sociaux, ma joie de vivre et tout ça, elle me disait qu elle que je l'inspirais et qu'elle voulait faire ce que je faisais. Donc au niveau de son boulot, quand ça n'allait plus et qu'elle voulait changer, elle voulait changer, c'est sûr que elle, elle, elle n'en pouvait plus mais elle avait besoin de quelqu'un parce qu'elle doutait trop d'elle-même. Et quand je lui ai dit, je lui ai parlé de mon histoire, et quand elle a vu que, en fait, c'était possible d'y arriver, elle a pris un coaching de trois mois. Oh. Parce que c'est de la transformation. Moi, je ne donne pas de doliprane. Quand tu viens me voir, que tu me dis que tu as mal à la tête, si je te donne le, le, le doliprane, ça va revenir. Alors que le mal de tête n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. Ouais. Donc, on prend trois mois. Pour guérir. Et on commence à creuser. En fait, c'est une pendule de laine, on tire, on tire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées de par son passé qui l'ont affecté durablement au niveau de sa mère, au niveau de son père, au niveau de ses origines. Elle, elle avait la chance d'avoir un mari compréhensif. Mais jusqu'à ses 20 ans et bien plus, elle a vécu une vie de souffrance et d'horreur. Et du coup, il a fallu aller retravailler tout ça pour qu'elle accepte de pardonner, pour qu'elle accepte de regarder la réalité euh, en face. Et où est-ce que ça l'a mené du coup Ça l'a amenée à partir de son boulot, mais le cœur en paix. Ah. Elle a pu avoir une meilleure euh, euh, comment dit, rémunération au moment de partir. Oui. Elle est partie avec plus de cash déjà. Et euh, elle s'est choisie et maintenant... Elle est en train de créer sa propre entreprise tout en prenant le temps pour s'écouter. Waouh, parce qu'elle a pris le temps de s'écouter pour savoir ce qui vibre en elle et donc elle a pu. Waouh, ça montre à quel point c'est puissant de prendre le temps de se connaître. Et quand tu parles de se connaître et de ça de pouvoir identifier, ok, ce que j'ai comme perception, je dis, est-ce que ça vient de moi C'est très puissant parce que il y a deux ans, je me rends au Cameroun et une amie me remet un, une chemise. Elle me remet trois chemises. D'accord. Et parmi, de ces chemises, parmi ces trois chemises, il y a une chemise, elle me dit, bon, celle-ci, je ne l'aime pas trop. Bon, voilà, je te la donne, mais bon, je ne l'aime pas trop. Du coup, des trois chemises, je n'en mets que deux. Mm -hmm. Et cette chemise-là, je me dis, bon, inconsciemment, elle me dit qu'elle ne qu l'aime pas trop. Donc, moi aussi, je fais de ça ma, ma pensée. Je la mets de côté. Mm -hmm. Et puis un jour, je dis, mais pourquoi est-ce que je ne mets jamais cette chemise <laughs> Et quand je la mets, je me rends compte que c'est celle que je préfère des trois. Uh -huh. C'est là que je me rends compte qu'en fait, elle, c'était sa pensée à elle. Bien sûr. Et moi, je l'avais adoptée Exactement. comme étant la mienne. Là, il a fallu que je prenne conscience que non, en fait, c'est elle, ce n'est pas moi. Et ouais. donc, pour ça, quand tu dis, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de s'écouter, voilà pourquoi je trouve que c'est fondamental et très souvent, on est distrait par, euh, par le bruit externe. Exactement. Exactement. Et donc, ça, c'est facile à dire. Mais pour une personne qui est distraite à chaque fois, Comment est-ce qu'elle apprend à s'écouter? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre, quel que soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubaï à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtoms. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Y a plusieurs outils et méthodes qui existent mais en général quand ça devient assez fort à un moment à un niveau où tu ne peux plus taire le mal-être le pansement tu es obligé de l'enlever comment est-ce que en étant distrait on arrive à s'écouter hum. la première réponse que certains diraient là c'est la méditation mais non moi je ne dirais pas la méditation c'est une, une petite discipline qui t'oblige quand même à... Peut-être l'écriture, tu vois. Avant de se coucher et au moment où on se réveille, écrire ce qui te vient. Écrire ce que tu vis et où tu veux aller. Maintenant, les multipotentiels, par exemple, ont tendance à se disperser. Elles ne sont pas... Ils, parce qu'il y a des hommes aussi, ne sont pas que distraits, ils ont tendance à avoir du mal à faire des choix et à partir dans tous les sens. Ça peut être problématique parce que l'énergie qui se disperse est moins focus et donc a moins de résultats. C'est là où, si tu arrives à trouver euh, la personne qui t'inspire, tu vas pouvoir savoir ce que tu veux, et ce que tu veux va t'inspirer la route à prendre. Mmh, Par puissant, exemple, ça. tu vois, trouver une personne qui t'inspire et que tu, à qui tu veux ressembler, ça va te donner un pourquoi fort. Parce que quand on est distrait, quand on est, oh, on ne sait pas quoi on veut dans la vie, on est là. Bon, chacun son chemin. Il y a des... Tout le monde n'est pas leader. Certains peuvent être des suiveurs. C'est na... normal, il faut accepter. Mais quand ça te dérange, c'est que quelque part, ce n'est pas ta voix. Mmh, mm, 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 quand en fait, comme tu l'as dit, le mal à être là pour nous indiquer, c'est un peu comme une boussole. Exactement. Un peu comme une boussole. Nos émotions sont des GPS internes. Aïe, 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 aïe c'est puissant. <laughs> c'est puissant. Alors, j'ai mis euh, une fresque, une fresque de, de, des émotions qu'on peut avoir. L'émotion la plus puissante qui nous drive, c'est l'amour. L'émotion la plus basse qui vibre le plus bas, c'est l'impuissance, la peur, la culpabilité. Mmh. Quand on se sent coupable, c'est même pas les autres qui nous maintiennent en prison, c'est nous-mêmes avec nos croyances limitantes parce que on doute de soi, on se dit je vais jamais y arriver. Et du coup, on a tellement fait le chemin dans sa tête qu'on n'a même pas commencé. On ne va nulle part. Alors que, quand on ne laisse pas la, paie, la peur nous arrêter, et qu'on écoute ce que... Encore une fois, hein, j'ai parlé d'écoute de son corps. Essayez. Essayez, vous avez mon numéro de téléphone. Au tu, dos peux le donner, hein, tu peux le donner, si tu veux. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 59 65 65 19. Précédé du WhatsApp. plus 33. Yes, pour ceux qui ne sont pas en France. Oui. Plus 33, 0, plus 33, 6, 59, 65, 65, 19. Contactez-moi et nous allons pouvoir analyser. Parce que, encore une fois, 90% de ce que nous vivons hein, inconscient, on ne se rend pas compte. Mais avec l'expérience, je vais vous entendre parler, je vais vous écouter me raconter des choses et je vais tirer le bout. Et vous allez vous rendre compte, même en deux heures, de tout ce qu'on va faire remonter à la surface. C'est puissant. On dirait un gourou. D'ailleurs, <laughs> on va sortir. J'aimerais qu'on sorte un peu de tout, parce que la régime est signale déjà que le temps, on va sortir un peu de tout ça. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans ta personne. D'accord. Donc, euh, ta plus grande qualité, ça serait quoi Ce que j'appelle le polymorphisme. C'est-à-dire une capacité à prendre la forme que je veux, mmh. à apprendre à m'adapter. D'accord. Et ton trait de caractère que tu aimeras améliorer Le trait de caractère à améliorer, je travaille beaucoup dessus déjà depuis longtemps. J'ai eu à un moment l'ego, j'ai travaillé beaucoup dessus. J'ai eu le perfectionnisme, j'ai travaillé dessus. Le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, ça. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais je trouve qu'il faut encore que je beaucoup travaille. De dessus. <laughs> Parce que, imagine aller parler à une personne, une personnalité, oui. ou même à un garçon dans la rue. Oui. Ou une opportunité qui passe à portée de ta main. Parce que, tout de suite, dans ta tête, tu te dis Oh, est-ce que j'ai y arrivé, machin et tout. Et tu bloques. Non. La confiance en soi te donne des ailes pour réussir là où quelqu'un qui doute de lui va peut-être se former, mm -hmm. se former, se former. Sans jamais, mais jamais passer à Ouais, j'en connais plein. Jamais passer à Plein, 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 plein. Tu ah. vois, donc la confiance en moi, c'est un des traits de caractère que je travaille beaucoup. Mm -hmm. Alors j'ai beaucoup avancé, mais à chaque fois je me rends compte qu'il y a encore un palier à dépasser. Mmh. Ok. En un mot, tu vas me répondre, en un mot, quel est le regard que tu vois, quel est le regard que tu as des Africains un mot. L'avenir. L'avenir. Et toi, toi, en tant que chef d'État, que ferais-tu en premier <laughs> Ça, c'est une grande question auquel je ne m'attendais pas. Qu'est-ce que je ferais en premier en tant que chef d'État J'allais dire l'éducation, oui, elle est vaste, c'est l'éducation. Puisque, mais pas l'éducation scolaire. Hein. Mmh. Je pense que je re, je retravaillerai l'éducation. L'éducation qui vise à redonner le pouvoir à chaque personne. Mmh. Pour que chaque personne devienne patriote. Pour que chaque personne n'attende plus que ce soit l'autre qui fasse. L'Afrique a besoin de chaque Africain. Ça, c'est valable pour le monde entier. Enfin, le monde a besoin de tous les humains. Mais quand on dit... Bah, c'est à l'autre de faire. L'autre dit que c'est à l'autre de faire. Les choses n'avancent pas. Je, je travaillerai l'éducation en apprenant les soft skills, mm -hmm. pas juste euh, euh, des leçons à bûcher, à apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, mm -hmm. l'esprit critique. Ouais. Parce que en Afrique, nos parents nous disent faut obéir c'est ce qu'on nous a appris l'école en europe aussi nous apprend à être de bons salariés oui donc retravailler euh, l'éducation pour permettre à l'enfant de développer sa créativité pour permettre à l'enfant de ne pas rentrer dans le moule en se multipliant par zéro retravailler l'éducation pour remettre l'éthique dès le bas âge parce que la corruption et le fait qu'il y ait une certaine euh, misère font que finalement l'Afrique se développe, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ramène de l'argent pour qu'on accepte de vendre nos terres, pour qu'on accepte de, de se brader pour développer que soi et pas son pays. Il manque cet esprit collectif. Mmh. Tu vois Et pour moi, l'éducation au-delà de l'école, la vraie, pour que chaque personne reprenne son pouvoir et sa capacité à penser, c'est quelque chose qui peut changer le monde. Je te crois à 8000%. <laughs> et, dernière question, si je devais aller au restaurant avec oui. trois personnes, vivants ou décédées, qui inviterais-tu Ouh Trois personnes Vivante ou décédée? Première personne qui m'a venue, c'est Tony Robbins. Ah oui! Ah, Tony Robbins, le gourou qui te mm. fait marcher sur le feu. Le coach le mieux payé du monde. Oh, Seigneur, ce gars-là. Ah, tu m'emmènes au restaurant. Oh, je m'en souviens <laughs> oh. Deuxième personne, je ne sais pas pourquoi il y a la mère Teresa qui me vient à l'esprit, mais je dirais plutôt Oprah Winfrey parce qu'elle est vivante. Mm. Cette dame, quand tu vois son parcours, ce par quoi elle est passée, avant de devenir la référence qu'elle est aujourd'hui, Oprah Winfrey. Bon, on va diversifier un peu. Je dirais, je dis pas que Chopra mm. ou Joey Dispenza. Mm. Ils sont vivants. Oui. Ou même Neville Goddard, mais il est décédé. Joey Dispenza, parce que en termes de neurosciences et de développement personnel, il a atteint un niveau, waouh, voilà. D'accord. Bon, tu vas me dire il y a pas d'Africain. mais il y a au une vraie. Oui, une américaine, oui, y a la origine africaine. Mais non, c'est pas pareil, quoi. Mais bon, c'est déjà ça. C'était à toi de répondre. Tu as répondu. En tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Tout de suite, j'aimerais te demander euh, comment faire pour entrer en possession de ton livre. Alors, ce livre, vous pouvez le trouver sur Argent Livre. Il est disponible également sur Amazon. Je vous recommande aussi euh, de l'acheter directement par moi. Pourquoi Parce que je vous offre une séance de coaching à chaque fois que vous l'achetez à travers moi, puisque je prends le temps de vous connaître. Mmh. Vous pouvez aller sur Argent Livre, sur Amazon, mais je vous invite à me contacter avant ou après. Comme ça, je vous offre une séance de coaching pour aller un peu plus en profondeur sur le pourquoi vous voulez révéler votre puissance cachée, votre pouvoir. Yes. Moi j'ai pour habitude de dire les meilleurs ont un coach. Donc n'hésite pas à te faire accompagner parce que c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est même de l'argent que tu économiseras. Je te rassure les meilleurs ont un coach, c'est pas pour rien. En tout cas, merci beaucoup Coco d'être prêté au jeu. Merci à toi Valère de m'avoir invité. Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Dans l'équipe, vous aurez bien compris, le pouvoir caché des femmes et des éditions Argent Livre est désormais disponible. Ben écoutez, je vous le recommande plus, plus, plus. Maintenant, moi, j'ai ma dit, on peut mettre de la nourriture dans ta bouche, mais on ne peut pas l'avaler à ta place. Donc, c'est à chacun de faire son travail. Je ne saurais terminer cette vidéo sans remercier Brandéo, sans remercier Copili, sans remercier... Ultimate Pod nous a permis de réaliser cette émission dans ce cadre. Maintenant que tout ceci est dit, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as kiffé. Et à très bientôt. Minakano. C'est encore moi, c'est encore la 3D, les éditions, argent livre Et mentales Les éditions Argent livre Et mentale. si je pouvais changer l'histoire Mon expérience j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer Quand on parle d'en dire c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision On parle de rêve quel pour forger Édition, myself, Argent hey. Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Édition à la peine, place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent qui lisent pour changer. Écrire, Écrire pour impacter, je suis immortel. Ah, yeah, ah, yeah. Écrire pour impacter, je suis immortel. Ah, yeah, ah, yeah. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour je suis je suis immortel. Ah yeah, ah yeah, ah yeah. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots, frère. Tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un gros. livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des ça, livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, RP. tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changer de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix, place à Argent Livre Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent de l'écrivain Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent de l'écrivain Ceux ouais. qui lisent pour changer Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, aïe, Écrire pour impacter, je suis immortel aïe On veut changer l'histoire Laisser un héritage Écrire pour impacter

Quelle est notre devise? Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble. Écris pour impacter, je suis immortel. Allez, aïe, aïe. Écris pour impacter, je suis immortel. Allez, allez, allez. On va changer l'histoire. laisser un héritage. J'écris pour impacter, je suis immortel. Allez, Allez. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que le meilleur ne dans la salle Oui, ok, super.